ايه والسلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم وصلنا عندنا لا بوسيت، نشوفوا معكم اون فا ريغاردي افيك فو لا بوسيت كنا بغيتو كروسا بيبي كالوسا ديال بيبي. بيبي دونك سي لا جي بي، دونك جولد بوسيت كومباكت ستادين، سي لا كوبيت بلس تو تيرين. فوالا دونك اون فا لوفريغ افيك فو، اون فا ريغاردي ان بو سكو سا دون. En parlant du bébé, le voilà qui pleure. Bon, on a reçu ça ce matin. Voilà, on va la découverte avec vous. Hein. Je ne sais pas si elle est montée, si elle est en pièce détachée. Hop là, bismillah. Ça, ça va être la poubelle. Allez, on sort ça. Voilà. Voilà. Bon, dans un premier temps. Il y a le sachet bien emballé. Elle a l'air pas très grosse. Hein. Déjà, ça c'est bien. Ça. Ça va nous changer de la Chico qu'on avait là. Hein. On avait la Chico Trio 3 là. C'était un monstre. Donc après, voilà, on a l'étiquette ici. Voilà, c'est la GB Qbit Plus, Qbit Plus, Bliss, Qbit Plus, tout terrain. Ah, j'ai la couleur. Qui a-t-il la couleur, madame? Oui. Hein? Oui. Surprise, oui, là, elle est. Voilà, qui fait son. Là. D'accord. Sera, Zouina. Sera, Zouina. Je place à Bzaf Loto. On chauffe la notice parce qu'il y a la notice d'y là. Donc, la première, je pense que ça s'active directement comme ça. Ah ouais, magnifique, trop facile. C'est elle. Chauffe la robe. Et les protections, c'est bien ça. Voilà, on arrive là, on le met dans le sens, de toute façon il n'y a qu'un sens. Normalement on ne peut pas se tromper. Le frein il est là, voilà comme ça. Donc on ne peut pas se tromper, mais on peut se tromper. Non, on ne peut pas se tromper, voilà. Là, écoutez, clac, voilà. Ça c'est les roues avant. Ensuite il y a comme ça les roues arrière. Merci madame. Voilà, ça a l'air simple tout ça, c'est elle là-dessus. C'est elle. Qui fait ça. Dès le racker, alors c'est où que ça rentre ça? Ça rentre ici. Très simple. L'autre. On va voir un petit peu comment c'est. C'est des doubles roues. Hein. Voilà. On va la tourner. Ok. Pareil, ici. Clac. Ça fait un coup de claque. Hein. Clac, 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 clac. Voilà. Voilà, ça tient. Voilà, ok. Ça, je crois que ça va. Voilà, là c'est ferme. Ça, c'est pour le soleil. Ah, ça c'est bien. Pour voir le bébé ici, là, je crois qu'on peut enlever le tissu là ou pas. Peut-être pas. Voilà, alors attends, on va mettre ça. Ça va mettre ça ici. Donc là, c'est pareil, c'est clac, clac. Tu as la peau, c'est bien. Ah oui, ça arrive, mon bébé. Voilà, donc là, il y a des rayures ici. Rainures, hop, on clipse. Ça se clipse très, très facilement. Alors, voilà, ça, c'est pour les pieds. On va la gêner. Il y a un petit bouton ici, on appuie dessus. On baisse, ça c'est pour les pieds. Les protections, energy, blèche. Voilà, ça c'est très bien. Ça on va l'enlever aussi. Voilà. Après, souvent le montage, je ne sais pas si j'ai fini le montage, mais ça se monte très 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 facilement. On pose le bébé ici. Là il y a les petits coussins pour bien prendre le bébé pour le protéger un peu. Elle est propre. Le confort il vient, donc ça c'est ce qu'on a dit pour le soleil. Si on veut le baisser un petit peu le bébé, alors est-ce qu'il y a quelque chose derrière ici? Voilà, il y a une sangle, on appuie, on tire et ça baisse le dossier. Voilà, ça baisse. Pareil, sens inverse pour le monter, trawaka, blekena et on tire. Pour mettre en haut. Voilà, j'ai l'impression qu'on ne peut pas le mettre à 90 degrés, ça. C'est dommage, hein. C'est dommage qu'on ne peut pas le mettre à 90 degrés.
Ça c'est bien, ça c'est bien. On va voir un peu là. Ça roule très facilement, ça se pilote très 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 facilement. Ah ouais, ça se pilote très bien. Alors maintenant on va essayer de la fermer avec vous, voir un peu ce que ça dit. Voilà, apparemment cette position on peut la fermer d'une main apparemment. Donc on fait ça. Bien. Donc il y a un petit loquet ici et une manette ici là. Donc avec le pouce, on appuie en bas avec le pouce et en haut on plie, on fait ça, on baisse. Et voilà, c'est fini. Elle est pliée. Là, il y a une petite languette. Là, il y a une petite languette. On fait ça. Ça. Pour pas que ça touche au sol. Voilà. Ah, franchement, c'est magnifique. Elle est pas très grande. Voilà, donc au niveau de la hauteur, on va dire à peu près 20, 40, 60, à peu près 60 cm de hauteur. 20, 40, à peu près 40 cm de large. Et en profondeur, 20, à peu près 25, 30 cm de profondeur. Franchement, elle se porte très facilement, très 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 légère. Super. Franchement, on va ouvrir là. Hop. On va l'ouvrir un peu devant vous. D'une main apparemment. Et voilà, c'est fini. Franchement, elle est magnifique. Allez, on va refermer. Hop. 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 Et c'est fini. On y va. Franchement, c'est un très 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 bon produit. Hein. Niveau qualité-prix, je pense qu'il n'y a pas une bataille. Hein. Et en dessous, bien sûr, pour mettre quelque chose ici. Bon, c'est un peu petit, hein. C'est riche ou il y a. Dans quel lieu je disais. Là, on va regarder l'assise. Donc, on a ici le logo, là. GB. On appuie. Hop, ça sort. Très facile. Pour remettre, donc, on prend ça de côté gauche. Clac. Là, ça se fixe très très bien. Bon, ça reste du plastique, hein. C'est du plastique, il n'y a rien de. C'est pas non plus. C'est du plastique dur, hein. Ça a l'air costaud, mais sans plus, hein. C'est pas non plus. La très 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 performance, la très grosse performance, hein. Ça reste moins de gamme, hein, je pense. On n'est pas dans le haut de gamme. Hein. Bon, on va essayer, on va poser le bébé, on va essayer, voir comment ça fait. Hein. On va voir un petit peu. Par contre, je vous ai pas dit. Pour fermer ici, là, hop, pareil, un clic. En fait, on pousse ici, on enlève pour poser le bébé. Et on le remet aussi facilement. Très bien. L'autre côté, pareil, hein. Hop, hop. Et on peut l'enlever les deux si on veut. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas, on peut pas le plier comme ça, ça c'est dommage. Après, voyons voir un petit peu. On a le frein à l'arrière, on a un frein à l'arrière ici. Avec le pied. Très bien, franchement, il est bien le frein. Il est facile à enlever. Je vais voir. Voilà, il est facile. Comme on a dit, donc le frein, franchement, il est très simple. Il n'est pas dur du tout. Donc, le seul reproche que je peux faire, c'est ici qu'on puisse le rabattre. Avec éventuellement une pochette pour poser le téléphone ou le biberon, quoi que ce soit. Il n'y a pas. Et ici, rabattre ici. Dommage. C'est le seul défaut. Sinon, le reste, franchement, elle est très bien. On l'a acheté donc, chez Rose ou Bleu sur Internet. Au prix de 170 €, donc on a une petite réduction dessus avec un parrainage, donc elle est arrivée à 160, il me semble, ou 155 €. Donc je trouve que ça vaut le coup. Après, à voir combien de temps on peut s'en servir. Sur la notice, je crois que c'est marqué jusqu'à 3 ans ou 5 ans. Je pense que ça peut. Voilà, franchement, n'hésitez pas. Bon, voilà, les amis, hein. Voilà, on va vous laisser. On va mettre le bébé là, on va vous laisser en vous souhaitant une bonne journée. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Voilà, le bébé est bien protégé. On va lui mettre au soleil. Parce que là, nous, dans le sud, il y a du soleil. Voilà, on vous souhaite une bonne journée. Allez, là, bye bye, salam alaikum.